Laetitia et Théophile sont partis de Saint-Paul-de-Léon il y a 12 jours. Après plus de 200 km de marche, ils s'approchent lentement mais sûrement de Saint-Brieuc, leur destination finale. Le couple, adepte de randonnée, a décidé pour ses vacances de s'éloigner des sentiers battus du littoral. Pour se repérer, il a suivi les balisages de Mont-Trobrez, un topo guide qui propose des chemins de traverse plus confidentiels mais non moins intéressants. C'est un beau chemin, en plus on a du beau temps. Donc ça c'est une chance. Et pas mal de rencontres aussi, c'est assez chouette. Ouais. Du coup les gens sont moins habitués aussi à avoir des touristes et donc c'est plus facile aussi de discuter. Ils sont très accueillants, ils viennent vers nous même quand on s'arrête dans les villages, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes perdu. C'est vraiment la mise en valeur d'un patrimoine qui n'est pas connu en fait. C'est un chemin qui mène dans En plus des cartes IGN, Mont-Trobrez recense les églises, chapelles, fontaines et tous les sites d'intérêt patrimonial, comme ici le temple de l'Enlef, datant du Haut Moyen-Âge. Il propose aussi sur son site une liste d'hébergements, de lieux de restauration et des services de transport des personnes et des bagages. Une aide précieuse pour les marcheurs. À cette date, 800 km de chemin de randonnée ont ainsi été balisés entre Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier et Saint-Brieuc. L'idée, c'est qu'on puisse découvrir ce qu'on appelle peut-être maladroitement les communes rétro-littorales. C'est-à-dire que le Trobrez n'est pas une rando simplement touristique et uniquement où on va admirer des paysages superbes. La Bretagne, c'est du vert et c'est du bleu. Et nous, on propose un tiers de bleu, mais deux tiers de vert, parce que le cœur de la Bretagne, il vit à l'intérieur. Les collectivités territoriales sont partie prenante du projet. Ça permet de capter de nouveaux touristes sur notre territoire et ça permet aussi de mettre en valeur ces communes qui sont peut-être un peu oubliées en temps normal parce qu'elles n'ont pas le littoral à proximité, mais qui regorgent d'un patrimoine extraordinaire. Mont-Trobrez a pour objectif de baliser 2000 km de sentiers à travers la Bretagne historique. D'ici 3 ans, la région espère ainsi pouvoir attirer pas moins de 100 000 marcheurs chaque année.